Wesh les gars, c'est Paika, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, je m'en excuse, mais genre... comme as, tu vois, genre franchement je suis désolé. Il y a eu énormément de problèmes, on m'a volé ma moto, en gros comme c'est écrit dans le titre. Donc c'est un peu compliqué, tu vois, c'était un peu mon seul moyen de transport pour aller chez moi. Enfin pour aller chez moi, pour aller au travail, pour aller où je dois aller, pour aller faire les courses, pour aller voir ma famille, voir des potes. Enfin bref, c'était mon seul moyen, donc voilà, je l'ai plus, on me l'a volé. Enfin pas encore une fois, mais bon bref, on m'avait déjà volé le Juke. Je l'avais retrouvé dans la soirée, j'ai eu l'accident avec le Juke. Là j'ai eu le Z, et allez, 2-3 mois après j'ai plus le Z. Donc c'est un peu compliqué, hein, je vais pas te le cacher, mais bon, on fait avec, on est là. Tout ça pour vous dire que je vais reprendre les vidéos à balles. Mais quand je te dis à balles, c'est à Mac 5. Genre, tu vois Mac 1, tu vois Mac 2, ben moi je suis à Mac 5. Bon, du coup, petite parenthèse pour vous dire, venez sur Insta. Parce que sur Insta, je vais être de plus en plus... En fait, je vais être et je suis de plus en plus actif. Ceux qui étaient sur Insta avant cette vidéo, ben, ils ont déjà vu la nouvelle moto. Parce que oui, j'ai une nouvelle moto, c'est... provisoire, parce que va falloir que je me déplace, va falloir que j'aille au travail, chez moi, voir mes potes, ma famille, faire les courses, enfin bref, tu vois, vu que c'est mon seul moyen de transport pour l'instant, c'est un peu compliqué, je te le cache pas. Si vous pouvez me faire ça, de venir sur Insta, d'une, ça me fera très plaisir, parce que je crois qu'on est bientôt aux 10 000. De deux, j'aurai plus de monde, donc je pourrai organiser plus de choses, des lives avec plus de monde, peut-être des concours, bref, il y aura des trucs sûrs, des rencontres abonnées, parce que les rencontres abonnées, tu vois, ça me fait chier de faire une vidéo YouTube juste pour dire ouais, je fais une rencontre abonnée ce jour-là. Ça va être dans une vidéo où il faut que j'y pense à le mettre. Enfin bref, alors que sur Instagram, c'est plus fluide, tu vois. Genre, et je mets 3-4 jours avant la story. Ouais, voilà, ce jour-ci, tac, rencontre abonnée ici, cet endroit-là. Enfin bref, c'est beaucoup plus simple. Donc, du coup, c'est pas souvent que je le demande. Je crois que je l'ai peut-être pas trop demandé. Si, je crois en début avec truc de McDo. Enfin bref, mais c'était pas trop sérieux, tu vois. Mais là, vraiment, j'aimerais vraiment qu'un maximum de personnes viennent sur Instagram. Ça me ferait très plaisir et ça serait mieux pour communiquer, très mieux pour faire des fin pour s'organiser, tu vois, même, enfin bref, ça serait mieux pour tout. Donc si vous pouvez venir sur Instagram, c'est au top. Sinon, c'est au top. Sinon, c'est pas grave, je vous en voudrais pas, vous inquiétez pas, mais ceux qui le font, ça me ferait grave grave plaisir. Bon, on va revenir au titre de la vidéo. Alors oui, on m'a volé le Z. Le Z n'est plus parmi nous. Pour la faire court, en gros, j'étais avec un pote à moi et une pote. On était allé manger une glace à Palavas à 23h, je crois, un truc comme ça. On rentre chez mon pote, parce que je dormais chez lui. Il était minuit et demi, une heure. Donc on rentre, et tu vois, à cette heure-ci, t'es un peu fatigué quand même. Donc tu te dis, je vais aller dormir. Hein. Donc du coup, c'est ce que je fais. Je m'en vais dormir, je pense qu'il était 2h, et un quart d'heure après, donc à 2h15, notification sur le téléphone, la moto bouge, mais sauf que moi, à 2h15, mais je tapais mon meilleur coma, frère. J'étais là, mais j'avais limite la bave sur le côté, le ronflement d'un cochon, enfin bref, j'avais tout, tu vois, j'avais tout. Enfin, du coup, j'ai pas vu la notification. Et le lendemain matin, mon pote, il vient me réveiller, il me fait, ouais, frérot, ta moto, elle est plus là. Parce que lui, il allait au travail. Il me fait, ouais, frérot, ta moto, elle est plus là et tout. Enfin bref, du coup, on a commencé les recherches, impossible. J'ai suivi le traceur GPS jusqu'à l'endroit même où il l'a émis pour la dernière fois, sauf qu'ils ont dû retirer le traceur et l'éclater en 1000 morceaux parce que à l'endroit où la moto était censée être, elle y est pas. Donc je pense qu'ils ont dû le retirer. Du coup, ça fait que là, avec l'assurance, je suis un peu en train de me chiffonner, hein, parce que j'ai des factures que je dois leur transmettre et je ne les ai pas. C'est un peu compliqué parce qu'ils veulent me retirer un beau pourcentage de la moto. Je suis un peu dans le flou, tu vois, pour savoir comment je vais être remboursé et à quelle sauce je vais être mangé exactement. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais ça va, je suis là. Je repars parce que j'ai une nouvelle moto. Enfin, bon, c'est provisoire, hein, vraiment. C'est vraiment provisoire parce que, bref, elle est pas non plus fou, mais il y a moyen d'en tirer, il y a moyen d'en faire un bon petit truc. Franchement, il y a moyen de se la régaler, là. Il y a moyen de se la régaler. Du coup, je compte reprendre le rythme des vidéos à balles. Sauf que maintenant, au lieu que ce soit le vendredi, ça sera le dimanche à 18h. Je trouve que c'est mieux. Il y a plus de monde qui regarde mes vidéos parce que le vendredi, tu sors. Samedi soir, tu sors. Mais le dimanche soir, tu restes au show avec ta dulcinée devant un petit film proposé par TF1. Et hop, et le popcorn, et ça fait pop. Le gosse. Oh putain, je suis con. Enfin bref, du coup, voilà. Les vidéos sortiront maintenant le dimanche et plus le vendredi. Et il me reste encore 2 ou 3 vidéos en stock avec le Z. Et après, je passerai à la nouvelle moto, du coup, que je vais vous présenter juste après. Donc, restez un peu, tu vois. Ouais.
ouais, je vais durer un peu le watch time et tout, tu connais le référencement, oh yeah. Tu vois, tu la vois, elle est au loin là, tu la vois là? Ah mais non, c'est flouté, je suis con. Du coup, il me reste 2-3 vidéos en stock, donc je vais les faire. Alors, ce sera un peu, sera du mixte parce qu'il y aura des vidéos où j'aurai encore le Z, il y aura des vidéos où j'aurai pas le Z, je serai derrière une personne, donc ça va être un peu différent, mais ça va être bien, ce sera ma sauce, ça sera à la bolognaise, comme ça. Mais du coup, voilà, il y aura quelques vidéos encore avec le Z, donc vous inquiétez pas, vous allez le voir encore un peu. Et du coup, là, je m'approche tout doucement de la moto, mais c'est flouté encore. C'est flouté, tu la vois pas, moi je la vois. Bim! Nouveau gamos carrément. Roue bidirectionnelle. Alors cockpit. Oula. Ah, tu peux ouvrir ça? Voilà. Nouveau cockpit. Bon, il faut mettre un petit coup de nettoyage. Pas grand chose, hein. Quelques petites toiles d'araignée par-ci, un petit tendeur par-là. Mais ça c'est pour le frein à main. Tu tires. Oh, il y a les clés, frère. Oh, il y a les clés. Bon, je touche pas. Mais... Ah putain, voilà, perdre. voilà. Bon, bref, assez rigolé là. On ferme ça. Et là, vas-y, on va vraiment. Je vais vraiment vous présenter le nouveau bolide. Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Là, je vois mes pieds pour l'instant. Putain, j'adore faire ça. T'étais là, comme ça. Hop, je me refais un petit peu les lacets parce qu'ils sont mal faits. Tac, tac, tac. Et là, bim! Balala. Alors, il y en a plein qui vont me dire, mais non, et tout, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi un Dax, nanani, et nanana? Parce que d'une, frère, c'est pas cher. De deux, à entretenir, c'est rien. C'est con, hein, mais je connaissais pas tellement la mécanique. Et ben, j'ai appris en un week-end. Les jantes, elles étaient couleur cadre, je les ai refaites. Poncées, bombe de peinture, elles sont magnifiques, les jantes. Ah bon, elles sont un peu sales, mais rien, moi, ça, ce noir. Bellissima. Bon, la ligne, c'est un problème. J'ai toujours eu des motos avec un pot d'échappement. Et là, c'est ma première moto qui est avec pot d'origine. Donc ça va pas le faire. Ça, soit je me suis dit, je vais rouler sans pot. Mais je l'ai démarré une fois, je le redémarrerai pas deux fois. C'est un bordel, laisse tomber. Enfin, bref. Du coup, ce Dax, c'est pas un Dax comme les autres. Tu sais pourquoi? Parce que ce Dax, elle s'appelle Micheline. C'est Micheline, la Dax. Le Adax. Ouais, c'est la Dax, on va dire la Dax. Parce que, hein, moi, ce qu'il y a là, un petit autocollant quoi? Il y a un petit autocollant quoi? Micheline, mon copain. Et oui, ce Dax s'appelle Micheline. Donc, du coup, quand on va remplir la bête, on va pas remplir la bête, on va remplir Micheline. Oh, je te jure, enfin bref. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Je vais rouler un petit peu là, vite fait en 2-2. Oula. Oui. Oh, lui, il est. Oula, frangin. Enfin bref, bon allez, je vais aller rouler un petit peu, comme ça vous entendez le bruit du monstre là. Je vais aller acheter un petit U pour sécuriser la bête. Attends, je vais quand même retirer le scotch là, parce que les flics sinon ils vont m'arrêter et... Rack the pack. Ils vont m'aligner, c'est fou. Donc du coup, là je vais aller vite fait acheter un petit U. Et donc je vais rouler un petit peu, je vais vous montrer le petit bolide en 2-2 et ce sera la fin de la vidéo. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes restés jusqu'à là, actuel, à ce moment-là où je vous parle, parce que pour moi c'était important de vous dire tout ce que je vous ai dit, là, il y a quelques minutes. Si jamais j'ai oublié des choses, regardez la description, ça m'étonnerait, mais on n'est pas à l'abri d'un oubli. Donc voilà, si jamais j'oublie un truc, regardez la description. Ce qui est bien, c'est que t'as le démarreur électrique qui est là. Je peux le démarrer à l'électrique, mais je peux le démarrer au cric, frère. C'est ma première moto. Maman, la cric là. Hop, tu remets ça. Le bruit. Pouh, allez, c'est parti. Oh, je te jure, c'est un délire. Mais tu me vois, moi, sur un Dax, frère, c'est n'importe. Par contre, je sais pas du tout où je suis. Oh là, il me parle trop. Attends. Comment? Transport David. Le sport David? Transport David. Transport, je crois que c'est un peu. Faut remonter là, il faut prendre la rue comme ça. Ouais, la voie. Là où le camion il vient, la voie rapide là-bas. D'accord. Avec plaisir. Attends, parce que du coup, moi, j'ai pas de start and stop, moi. Putain, du coup voilà, mon frérot là il m'a stoppé net. Bon, du coup, c'est énorme. J'ai réglé le frein arrière parce qu'il était pas réglé, tu vois. Mais écoute. Je peux te faire des dérapages en crabe carrément. Allez, tomber. Ah oui, d'ailleurs, c'est un 125, j'ai oublié de le préciser ça. Mais un 125, mon ref, t'accélères. Même en troisième, il lève. Et en quatrième.
Bon, en tout cas, bon, ça change. Je vous l'avoue, ça change de ouf de passer d'un Z800, enfin même d'un 690 ou d'un Z800 à un 125, frérot. Ça me rappelle les bails. Ça me rappelle le début de ma chaîne YouTube. En un peu moins bien parce que, bon, le truc, il date de l'antiquité romaine. Alors que moi, j'avais compteur TFT, poids cra. J'appuyais une fois, ça démarrait, clignotant LED, feu LED, tout LED. Là, j'ai halogène de partout. Ouais, c'est le bordel, mais je kiffe. Franchement, je kiffe. Il me fait des petits pouces en l'air, lui. C'est un beau... Ouais, c'est le frérot, lui, hein. Ah mon ref. Du coup, moi, je vais aller acheter le U, comme j'ai dit que j'allais acheter le U. Salut. Waouh, on me fait un V de moutarde, moi. Enfin bref, c'était Paika. Je vous laisse avec cette vidéo un peu du n'importe quoi quand même. Parce que je perds ma moto, mais j'ai une nouvelle moto dans le même kit. C'est un peu chelou, hein, mais on va pas se le cacher. Du coup, il y a même un klaxon. Ah, je suis mort. Ouais, je te jure, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Enfin bref, c'était Paika. Je vous fais de gros bisous. Merci pour tout, mais vraiment tout l'amour que vous m'envoyez, tous les messages que... Salut. Ouais, ouais, top, bref, c'est tout, franchement. Merci pour tout, c'est magnifique. Cette expérience que je peux vivre avec vous, ces retours, ces commentaires, ces messages Instagram, ces publications, c'est tout. C'est... Bref, c'était Paika. Je vous fais de très gros bisous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Mademoiselle, bonsoir, mademoiselle. Au revoir, il y avait une mamie quand même dans le lot, mais ah, c'est pas grave. Sur ce, c'était Paika. Bisous.